Bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo IRL, enfin je sais pas comment vous voulez, pour vous démontrer à quoi ressemble le package de la version limited de Halo 4. Donc Halo 4, pour ceux qui ne connaissent pas, est un jeu Microsoft développé par le studio 341, je crois. Franchement, je l'ai testé, il s'est déjà déballé, hein. Je vais juste vous présenter le package. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. Il est moins gros, c'est un paquet, il est moins gros, je trouve, de Halo. Bon, après, on va dire quand même qu'il était assez complet, on va pas dire qu'il était vide. Ah, je fais trop drôle. Voilà, tout de suite, présentation de tout ça. Donc, je vous explique de mon activité. La première semaine des vacances, j'étais inactive. Alors, la deuxième semaine, vous risquez d'avoir beaucoup de vidéos. Alors, toute une présentation. Alors, ça, c'est la boîte, donc la boîte Steelbook de Halo 4. Comme il est marqué là. Bon, vous voyez pas bien, mais bon. Donc, à l'intérieur, deux CD. Un CD d'installation, je sais même pas à quoi il servait. Et c'est les studios 343 qui développent Halo 4. Donc, ici, voilà. Donc, le CD Halo. Bon, et à l'intérieur, j'aime bien aimer les signaux qu'ils ont mis. Voilà. Plan que je vous montre, un petit poster, hein, vous pouvez l'accrocher, moi je le garde précieusement. Quoi, il bouge pas, quoi, en gros. C'est l'armure, je crois, d'un Spartan. C'est celui de Gabriel Thorne, non, je connais pas, moi. Franchement, je n'ai toujours pas fini le solo, quoi, vous m'avez compris. Donc voilà. Donc ça, franchement, je trouve ça bien présenté, comme si c'était un espace derrière avec les petits codes barres. En plus, j'adore les voyants. J'adore faire un style après. Style, j'ai dit style. Mon français doit s'améliorer. Donc avec des codes, hein, je ne vous montre pas tout ça. Avec le film Halo. Franchement, à la Paris Games Week, nous en avons parlé. Voilà. Et des codes spéciaux que je ne vous montrerai pas. Pour pas avoir 300€ d'amende, vous m'avez compris. Donc voilà. Après, ça, c'est un journal de bord pour moi. Bien en français, hein, traduit. Voilà. Ça nous montre toutes les armes du jeu. J'ai pas tout vous spawner. Voilà. Et tout derrière, ça, beaucoup de youtubeurs ne l'ont, l'ont vu, enfin, ont dû le voir, mais ne l'ont pas présenté. Une fiche de jeu de guerre, donc une fiche d'une session de je sais pas quoi. Franchement, je ne sais pas. Et une lettre que je. Voilà. Qui est aussi en français. Donc, c'est écrit en très petit. Hein, je ne l'ai toujours pas lu. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je peux vous lire ici, si vous voulez. Thor. Je continue à chercher, mais j'ai trouvé ça sur le réseau. Si elle parle si elle parle des moteurs, c'est que c'est elle qui a dû écrire cette lettre, non? Signé Oya. Bon bah voilà, hein, si vous ne connaissez pas Oya, achetez Halo 4 si vous êtes sur Xbox, bien sûr. Les autres, vous pouvez acheter Uncharted aussi, un très bon jeu, et Call of Duty qui sort dans moins d'une semaine. Et ça, c'est le dernier dernier pack, hein, de ça. Toujours dans un truc en alu voilà quoi. Alors, il y a marqué dessinataire, Spartan, Gabriel Thorne. Donc je pense que ça date la star du truc, hein, des Spartans. Après, il y a marqué sujet. Briefing de mission. Instruction de traitement. Ne pas sortir de pont S à détruire après lecture. En gros, si vous sortez de chez vous, vous ne sortez pas cette lettre. Et il faut que vous la brouillez à la fin. Hein, mais je déconne. Vous la gardez, bien sûr. Donc en français, comme ça, ça ressemble à ça. Donc voilà, c'est un package vraiment petit, mais franchement assez complet. On peut dire qu'on ne montrera pas plus gros ni plus petit. Franchement, j'espère que je vais pouvoir vous déballer le package de Call of Duty, le pack Hardened. Donc voilà, en espérant qu'il sera assez complet. Hein. J'espère qu'il y aura la petite statuette Nicktown Zombie. Ah, franchement, ça me ferait franchement plaisir s'ils l'ont mis.
Donc voilà, je vous présenterai au pire hein, si je peux pas faire le déballage. Donc moi je vous quitte sur ça. À dire que Call of Duty, normalement je devais l'avoir vendredi ou samedi. Mais vu que j'ai réservé à la fin la version collector sur un site internet, je sais pas les réserver en magasin. Bah, du coup, je risque de l'avoir 2-3 jours après. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai envie de dire, je te déteste, Rani. C'est pas grave. Voilà quoi, je te préviendrai, hein, celui à qui je lui ai donné la réservation de chez Necromania. Je t'appellerai, normalement, c'est vendredi ou samedi. Je t'envoie un message, sois présent. Au pire, je te le dirai par commentaire, regarde bien ta boîte de réception. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je te l'explique par cette vidéo. Voilà. Donc là, en espérant que tu regarderas, sinon je te déteste. Allez, salut tout le monde et allez voir la chaîne justement de celui que je vous parle, Dark Legends. Abonnez-vous, mettez un petit j'aime si ça vous a plu. En tout cas, ça c'est 10 euros de plus que la version normale du jeu. Franchement, ça vaut le coup, je trouve. Hein, même si c'est 10 euros, vous voyez quoi, c'est pas non plus une somme à dépenser. Comme Call of Duty, c'est 80 euros, je crois, le package. J'ai envie de vous dire ça va parce que s'il n'y avait pas la map de zombie Nickton, non, je l'aurais pas pris. Hein. Parce que moi, si vous savez pas, je suis un grand fan du mode zombie. Comme je sais pas si vous avez regardé mes deux dernières vidéos sur Black Ops 2, il y a le trailer avec le Making of avec Omar Sy. Et il y a la map Transit, la principale carte, quoi, qui a été tournée par un Allemand. Et c'est pour ça que j'étais obligée de vous le mettre. Merci, Best of War. Donc voilà, il y aura un lien des deux vidéos, je pense. Ou sinon, ouais, je pense que je vais faire le montage là. Je vais faire le montage grâce à YouTube. Montage. On connaît ça. Éditeur vidéo YouTube. Donc voilà. Allez, je vous quitte. Et bonne fin de journée à tous. Bonne nuit hein, si vous allez vous coucher. Tout ce que vous voulez. En espérant que la vidéo sortira avant minuit. Parce que comme ça, ça montrera que, en fait, le jeu, il est sorti aujourd'hui, mardi. Nous sommes mardi, justement, le mardi 6 novembre, je crois. C'est ça. Policier. Excusez-moi, hein, c'est un réflexe de policier de malade. Je vais vous le mettre dans les commentaires à chaque fois. Hein. Maintenant, ce sera notre truc à nous. Vous serez mes policiers. Et moi, je serai Garfield, hein. Voilà, donc voilà, je vous quitte sur ça, en espérant que cette vidéo vous aura plu, et voilà, achetez Halo hein, si vous êtes sur Xbox, n'achetez pas Halo si vous êtes sur PS3, achetez Call of Duty, Black Ops 2, donc si vous avez de l'argent, Assassin's Creed, tous les jeux valent le coup en ce moment, franchement, Bomber, je sais pas comment on dit, mais franchement, tous les jeux valent le coup, achetez-les, en plus Assassin's Creed, il faut se dire que c'est un très bon jeu, Black Ops 2 c'est une révolution de Call of. Donc, vous m'avez compris, quoi. Achetez! Et puis voilà. Allez, salut tout le monde.